Que s'est-il passé en coulisses dans le procès opposant Johnny Depp à Amber Heard? Pour rappel, pendant 6 semaines, les anciens tourtereaux ont étalé le passé de leur vie privée lors d'un procès très médiatisé. À l'issue, le comédien a obtenu gain de cause et a donc remporté son procès mené en diffamation à l'encontre de son ex-femme. Les membres du jury ont estimé que les propos tenus par Amber Heard, dans le Daily Mail, en 2020, étaient bien diffamatoires. Elle avait assuré avoir été victime de violences conjugales lorsqu'elle était en couple avec Johnny Depp. Devant l'ampleur du procès, M6 a annoncé, mardi 28 juin 2022, en dévoilant sa grille des programmes pour 2022, avoir réussi un gros coup avec l'acquisition des droits d'un documentaire sur les coulisses du procès. Il sera diffusé sur la plateforme 6 Play alors qu'il a déjà fait sensation sur la Fox, aux États-Unis. Intitulé Johnny vs Amber, From Love to Hate, le documentaire a attiré de nombreux téléspectateurs. Il s'immerge dans les coulisses du procès opposant Johnny Depp à Amber Heard qui a récemment défrayé la chronique, rapportent ainsi nos confrères du Parisien. Il devrait même être mis en ligne dès vendredi 1er juillet 2022, en version sous-titrée. Johnny Depp a remporté son procès en diffamation face à Amber Heard, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur les enjeux du procès et ce qu'il s'est passé en coulisses. Nul doute que les révélations doivent être nombreuses. À l'issue du procès, si est-il le célèbre comédien qui a remporté mais qui va également devoir verser une somme d'argent à Amber Heard.